La mobilité affecte beaucoup de personnes aveugles et ça fait trop longtemps qu'on a des problèmes de mobilité. Dans notre recherche, on a aussi identifié que l'obstacle le plus significatif à la participation sociale et à l'employabilité des personnes aveugles, c'est le transport. Alors, le défi que j'aimerais vous proposer sous la forme d'une question, c'est comment est-ce qu'une personne aveugle peut se déplacer de façon autonome et sécuritaire dans les lieux publics et en transport en commun sans être capable de voir les affiches, sans pouvoir reconnaître un lieu et avoir de la difficulté à s'orienter étant donné de la façon que les lieux sont faits. Et puis, vous ne serez pas tout seul dans le parcours. INCA est vraiment là. On s'ouvre à vous, on vous offre toute notre expérience et notre expertise qu'on a, autant à l'interne et à l'externe. Alors, merci beaucoup.